أهلا وسهلا بكم أحبائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. بما أن هذا هو الوقت المناسب للاستعداد والمثابرة من أجل تحقيق النجاح، سوف أحاول تقديم لكم بعض التعابير الكتابية المتوقعة في شهادة تعليم المتوسط. ومن بين هذه المواضيع إن شاء الله vivre ensemble en paix، العيش معا بسلام. Et dans le même contexte, nous allons aborder le sujet des droits de l'enfant. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu défends l'idée que la protection des droits de l'enfant est une responsabilité mondiale. إذا المطلوب منك هو كتابة نص حجاجي والذي من خلاله سوف تدافع عن فكرة أن حماية حقوق الطفل ومسؤولية عالمية. Afin de sensibiliser à l'importance de garantir un environnement sûr pour tous les enfants. وذلك للتوعية بأهمية وضرورة ضمان محيط أو بيئة آمنة بالنسبة لجميع الأطفال أو جميع أطفال العالم. Avant toute chose, nous allons essayer de relever ou bien de souligner les mots clés. Donc, qu'est-ce qu'on va rédiger dans cette production écrite? On va rédiger un texte argumentatif. Et bien sûr, le texte argumentatif se compose d'une introduction où tu vas exposer brièvement le sujet dont tu vas parler. Après, tu vas rédiger la thèse ou le point de vue. Dans le développement, tu vas utiliser des arguments en faveur de ta thèse. Et on va terminer avec une petite conclusion. Donc, notre thème, c'est les droits de l'enfant. Notre thèse, je pense que la protection des droits de l'enfant est une responsabilité mondiale. Et pour les arguments, on a la protection, الحماية, la liberté, الحرية, l'éducation, التعليم, une vie familiale, حياة عائلية, bien sûr. هادو سهلين للحفظ. Après, تضيفو لهم des exemples. Par exemple, la protection contre quoi? الحماية. من ماذا؟ La protection contre toute forme de violence. الحماية ضد العنف. On peut citer comme exemple la maltraitance physique, العنف الجسدي, ou bien les gifles, les coups, les brûlures, etc. La liberté, الطفل عنده الحرية التامة, comme par exemple la liberté de penser, l'éducation, التعليم. Donc il faut interdire le travail des enfants. Un enfant doit aller à l'école. لازم الطفل يدرس ولا يعمل. Un enfant doit aussi grandir avec ses parents, avec sa famille, et dans un environnement sécurisé. في مكان آمن. Et pour terminer, il est impératif de défendre les droits des enfants. Donc, عندنا le thème, la thèse, les arguments résumés et une petite conclusion اللي راح نستعملوهم pour rédiger notre texte argumentatif. Bien sûr, on va ajouter des connecteurs et des exemples. Une petite remarque, la thèse d'un texte argumentatif peut varier suivant la consigne. يعني يجب عليك أن تكتب موقف صاحب النص على حسب التعليمات أو المعطيات التي تطلب منك في السؤال. L'introduction, les droits de l'enfant sont fondamentaux dans le monde entier. Je pense que la protection de ces droits est une responsabilité mondiale. تعتبر حقوق الطفل أساسية في كل أنحاء العالم. أظن أن حماية هذه الحقوق هي مسؤولية عالمية. D'abord, le droit à la protection contre toute forme de violence, الحماية من كل أنواع العنف, telle que la maltraitance physique, العنف الجسدي, l'intimidation, التنمر, ou les menaces, أو التهديدات. Ensuite, l'éducation gratuite et obligatoire pour garantir la possibilité d'apprendre. التعليم المجاني والإجباري لضمان إمكانية التعلم. Enfin, le droit à la liberté, الحق في الحرية, et être élevé avec ses parents, والعيش مع الوالدين. Dans un environnement sécurisé, malheureusement, beaucoup d'enfants sont séparés de leur famille pendant les guerres. والعيش في محيط هادئ. آمن للأسف الشديد الكثير من الأطفال يفرقون عن والديهم بسبب الحروب. Donc il est impératif de protéger les droits de l'enfant. يعني من المهم جدا حماية حقوق الطفل et garantir que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sûr. وضمان أن كل طفل
له الحق ويستطيع أن يكبر في محيط هادئ وآمن. وفي الأخير أتمنى لكم النجاح والتوفيق في كل مرحلة من مراحل حياتكم الدراسية إن شاء الله، كل النجاح والتفوق والتميز في شهادة التعليم المتوسط.